À 24 heures de la fête de culture, les quartiers de la capitale et particulièrement le ministère de tutelle font peau neuve. Les équipes sont déjà sur le terrain pour les derniers réglages. Sur les murs des haltères de la capitale, on peut déjà avoir des posters de la 13e édition de cette fête. Et à l'entrée du ministère, on fait des tags des figures traditionnelles de notre terroir, sur ces toiles. La peinture du bâtiment abritant les services du ministère de la Culture est en train d'être refaite pour que la fête soit belle et réussie. Le démarrage de la 13e édition de la fête de culture est prévu pour le 25 mai, avec un programme très alléchant pour prendre fin le 27 du même mois. Nous invitons les Gabonais de la diaspora et les internautes de suivre l'évolution de cette fête de culture sur notre site www.gabonnews.com. Oh, mais là, c'est grave.